Prendre un verre, une glace ou un repas en bord de mer, des plaisirs récurrents de l'été auxquels goûtent à nouveau de nombreux vacanciers depuis un mois. De quoi redonner le sourire aux propriétaires des paillotes du Gros du Roi, dont les transats et les terrasses font le plein les jours de beau temps. Les pieds dans le sable, ça aussi c'est beaucoup prisé, c'est beaucoup demandé. Ce qui nous coince un peu cette année, c'est qu'on ne peut pas recevoir plus de 10 personnes autour d'une même table par rapport aux crises, la crise sanitaire. Donc, comme on était quand même un établissement qui recevait des tablées de 12, 15, 20 personnes, mais cette année, on fait autrement, quoi, voilà. Si le Bamboo Beach possède une structure fixe et a pu rouvrir ses portes dès le 2 juin, ce n'est pas le cas de toutes les paillotes du Gros du Roi. Nombre d'entre elles ont dû patienter le temps de monter leur terrasse pour la saison. On a commencé, on va dire, 3-4 jours avant que la décision se prenne pour avoir un petit peu d'avance. Mais c'est vrai que nous, on n'a pas voulu prendre le risque. On a attendu la décision finale afin de pouvoir recommencer à monter, parce qu'on a quand même 2 semaines et demie de montage, voire 3 semaines. Donc oui, on a attendu un petit peu avant de commencer le montage. Après l'angoisse du confinement et le stress d'un montage express, les gérants des paillotes ont été agréablement surpris par l'arrivée en masse du public. Bah, les premiers jours, on s'attendait vraiment à avoir peu de personnes et finalement, petit à petit, avec le beau temps, les gens sont arrivés et donc du coup, je pense que tout le monde est content, là, les gens qui peuvent enfin sortir après le confinement, nous qui retrouvons la route du travail. La plus grande difficulté, c'était vraiment de pas savoir si on allait ouvrir ou pas. Donc on a quand même commencé à monter la plage sans savoir vraiment si on allait ouvrir ou pas. Donc finalement, on a réussi à ouvrir. Les employés, ça a été difficile également pour le recrutement. On ne savait pas s'il y allait avoir beaucoup d'affluence. Donc c'était compliqué pour le début en effet. Depuis un mois, les affluences sont donc très encourageantes et offrent à tous l'espoir d'un bilan 2020 moins catastrophique que prévu. On espère surtout que d'ici le 31 août, rien n'aura changé et qu'on ne va pas nous confiner à moitié ou confiner, je ne sais pas moi, certaines régions, certains secteurs d'activité. Enfin, voilà, qu'on nous laissera au moins jusqu'au 31 août pour travailler.